trouvais que ce sont des paris dignes d'un homme d'État. Je veux dire que L'objectif de la baisse du chômage, c'est digne d'un homme d'État. Oui, mais l'inversion de la courbe du chômage, c'est un engagement que personne ne peut prendre parce que personne ne sait ce qui va se passer. C'est-à-dire, c'est la seule chose qu'un homme politique peut prendre comme engagement, c'est je ferai tout pour faire reculer le chômage. On je ferai tout pour combattre le chômage. Non. Je vous demande pardon, mais on ne peut pas s'engager faire baisser la courbe du chômage. Mais on peut s'engager, mais on peut pas s'engager sur un objectif de ce genre, sur un objectif quantitatif. Parce que personne n'en sait rien. On peut s'engager sur des moyens en politique. Mais personne n'en sait rien. Ce n'est pas les résultats d'une politique, quand même. Cette culture du chiffre est une culture absurde. Puisque ça amène l'homme politique à faire des promesses sur lesquelles dont il ne maîtrise absolument pas le résultat. Donc, voilà. Ça veut dire que c'est effectivement un pari. Oui, mais c'est un pari qui n'a pas de sens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que M. Hollande et son gouvernement, sa majorité, font pour faire baisser le chômage. Et la vérité, pas grand-chose.